Une blonde. Je désire que vous soyez poli avec moi. C'est la moindre des choses vis-à-vis d'un de vos anciens collaborateurs. Dites donc, ça a beaucoup changé depuis que je suis parti. Ça fait très naturel, ces dialogues. C'est le vieux monsieur qui était le patron à mon époque, mais il est mort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ayez la bonté de demander au jeune monsieur Helvègue que Coppel, Alphonse Coppel, aimerait lui dire un mot. À moins, bien sûr, qu'il m'ait oublié lui aussi. Oui, bon, ça va, n'en rajoute pas non plus, quoi. Il vient faire le malin alors que c'est un vieux connard. Oui. Ah non, je croyais que lui, rien du tout. Il ressemble à un acteur de la série Renard. Le Renard. Il n'a pas travaillé pour nous. Coppel, Coppel. Derrière, il a le portrait de Khrouchtchev dans sa fougue jeunesse. Est-ce qu'il a dit ce qu'il voulait? Faites-le entrer, je lui donne 2 minutes. 2 minutes, ben, monsieur est trop bon. Le patron veut bien vous recevoir. Oui, mais... seulement 2 minutes, je connais le refrain. Bon, on sent qu'il va pas le tuer, lui. Il a vraiment pas la tronche du mec qui prépare, du vieux connard qui prépare un mauvais coup. On la voit vraiment pas venir. On sent pas venir qu'il va venir faire son pisse froid avec sa chaupisse. Allez hop, on voit les petits billets. Alors, monsieur Coppel, que faites-vous maintenant? Oh, la retraite, c'est la retraite. Je mène mon petit train-train. Je vis dans une maison de retraite tout près de... Ah oui. Ah, il casse l'ambiance là, bravo. C'est cher, Coppel. Vous êtes toujours pareil. Vous avez l'air en pleine forme, toujours le même. Bien sûr, vous aussi, vous avez vieilli. Mais on en est tous là. D'accord. J'ai travaillé sous les ordres de votre père, c'était le bon temps. Ah, les mêmes lunettes. Oui. Comment ça va, sinon? Eh bien, ça va bien, super. Bon, je voudrais. Ce n'est vraiment pas de chance. Des ennuis de santé? Non, financiers. On ne sait pas si... Comment on leur a dit de jouer la scène si lui il fait le faux cul hypocrite parce que c'est lui qui l'a viré ou s'il est vraiment sincère quand il lui demande est-ce que vous allez bien. Oui, je savais économiser l'argent. Une tête de benet, on ne sait pas, on n'arrive pas à choisir. Lui non plus, on ne sait pas. Il fait le petit rire malicieux, on dirait que dès qu'il aura le dos tourné, il va lui mettre un coup de poignard dans le dos, mais on ne sait pas trop. On ne comprend rien. Avez-vous du travail? On dit qu'il joue mal. Sur le plateau. Le mec, il leur a pas dit comment il fallait jouer la scène, ils peuvent pas trop savoir. La place est prise, mon cher Coppel, nous avons déjà un vigile. Comme avant, il surveille tout le bâtiment, il doit faire des rondes dans les bureaux toutes les heures. N'empêche, ces petits mouvements de caméra, j'adore. Je vais vous donner 100 marques. Allez les boire à ma santé. 100 marques pour aller boire, mais putain, il se va se taper la cuite, là. Ne soyez pas gêné, prenez-le. Monsieur est condescendant, en plus. Ça s'est passé, monsieur. Tiens, les papilles. Ouais, au contraire. Regarde ça, on m'a fait le mot. On dirait Piccoli. C'est Calberet, là, c'est Piccoli. Le sosie de Piccoli, allemand. Là, ils sont dans le même van que quand il y avait C16, C17 et C18 qui partaient à la recherche de sel. Qu'est-ce que vous avez comme champagne? Du bon. Du champagne? Ça a l'air de vous étonner, vous n'en avez pas? Bien sûr, on a du champagne. Vraiment, et de quelle marque? Eh bien, c'est marqué sur la carte, oh, putain. Une de bière, une eau minérale et... pour notre chauffeur. Et un schnapps. Pour la dame. En tout cas, maintenant, on sait qu'ici, ils ont du champagne. À la première occasion, on vérifiera si c'est vraiment du bon. Je suis curieux de voir ça. Et si nous passions aux choses sérieuses? Ouais, parce que là, depuis un moment, j'ai envie de zapper, mais j'aimerais savoir de quoi vous parlez, là. D'abord, il est toujours à la même place, donc... Il prépare un coup. Le câble se rebiffe. De toute façon, il s'agit d'un modèle ancien. Aucun problème pour des spécialistes. Tu l'as vérifié pour l'école. Oui, t'en fais pas, ce sont toujours les mêmes serrures. Donc quand on commente un mauvais coup, la meilleure chose à faire pour être sûr qu'on ne sera pas reconnu ou... comment dire ça Ah merde, je trouve plus le verbe. Bref, la meilleure façon, c'est d'aller dans un lieu public. Hein. Vous préparez un mauvais coup, vous voulez que ça reste privé, que vous soyez les seuls à être au courant. Ben vous allez où? Ben dans un lieu public. Il y a du bruit, comme ça, pour vous entendre, vous devez gueuler. Comme ça, tout le monde va entendre votre combine. Courage, on est avec toi. Oui, oui. C'est la discrétion assurée, quoi. J'ai qu'un vieux au départ, s'ils sont sourds, il faut qu'ils gueulent. L'étonnable
Ah oui, non, c'est pas moi, elle a vraiment les tétons qui sortent là. Pas si vous le voyez, mais moi je vois bien l'écran. Hein. Les Allemands, ils sont pas gênés. C'est bizarre, il m'a rien dit. Allez, tirez-vous les pépés, j'ai autre chose à Tirez-vous les pédés. Oula, là elle aime ça. Elle, il faut, avec les pétasses, il faut être entreprenant. C'est ça qu'elles aiment. Voilà, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Émile, il y a deux types qui font des histoires. Ils vont nous faire croire que dans un lieu comme ça, il n'y a pas de vigile. Ils vont avoir peur de deux vieux papis. Qu'est-ce qu'il y a ? Émile, allez, la caricature du macho, le macho man. Comme au bon vieux temps. Chapeau, mon vieux. Je t'ai demandé de les virer, pas d'être gentil. Je pensais de la boucler si tu ne veux pas que je t'en mette une. Tire-toi maintenant. D'accord. Super crédible. Alors, moi qui sont allés dans les... Alors, c'est vraiment la fête à Neuneu en Allemagne, mais... À mon avis, dans les bars comme ça, ils sont habitués à avoir des mecs, des jeunes costauds qui viennent foutre le bordel. C'est pas deux vieux papis qui vont leur faire peur. Jamais trop prudent. Justement, tu as peut-être peur que je mange le morceau au poulet que tes anciens collègues. Ne tire pas mon sous la corde, Émile, sinon. Non, mais on l'a vu venir à 3 km qu'il a dû prendre le poing. En plus, il s'est levé avant de le prendre par le col. Alors qu'une fois qu'il se lève, on est déjà préparé. Il a mis du temps à lancer son coup. Normalement, on donne nos coups et puis après on se lève au cas où. Pas, monsieur l'inspecteur, votre âge, les crises cardiaques sont fréquentes. Il y a mieux comme endroit pour mourir. À la vôtre, et que vos espoirs soient comblés. J'ai pas compris si c'est de l'humour noir allemand, si c'est censé faire rire, mais c'est vraiment space. Salut. Comme ambiance. Hein. J'ai amené un copain avec moi. J'ai amené une copine avec moi. Une seule question. Et lui, il a pas peur, non mais n'importe quoi. Partant, évidemment. De l'autre, il lui colle au cul. D'après ce qu'Emile m'a dit, ça devrait être un bon coup. Ouais, un bon coup. Ben tiens, place. Justement, je parlais de ça. Non mais deux jeunes qui vont faire... Donnez-moi tous les détails. Entendu. Ils vont faire un business avec deux papiers. Mais n'importe, si c'est pas du tout crédible. Vous avez un plan de vie, voilà. Vous avez un plan? Non, on improvise. Voilà. Bah alors fais-le, si t'as le plan, tout, je vois pas à quoi ils servent. C'est mon patron qui les avait donnés, mais il est mort maintenant. Elles ne sont pas répertoriées quelque part? Non. Je vais vous montrer. Non, simplement à mon nom. Comme ça, quand on va savoir, quand les flics vont faire l'enquête, ils vont de suite tomber sur moi. Oui, un instant, j'arrive. Mais, ah non, je croyais qu'elle fumait elle aussi, je me disais, c'était raccord cigarette. Mais vous avez vu l'heure qu'il est, la cuisine est fermée depuis. Mais quatre vioques qui n'arrêtent pas d'aller dans la ville en même temps, ils sont très discrets, quoi. On va pas faire le rapprochement quand on va. Quand Eric va lancer son enquête, parce que c'est fastidieux là à se lancer. Ils font beaucoup de plans parasites qui servent à rien, je trouve, dans les Eric. C'est ça qui est dommage. Nous avons pleuré. Quand ils vont faire l'enquête, ils vont pas faire le rapprochement. Ah oui, il y a des quatre vieux cons qui sont venus nous faire chier. On sent l'homme de théâtre là. Putain, c'est quoi cette peinture qu'elle s'est faite? On dirait Claire Chazal. La Claire. Non, qu'est-ce que tu dis là? Oh putain, la femme de DSK, comment elle s'appelle? Tu as réussi à lui faire changer d'avis. Ah ouais, vous avez vu. Anne Sinclair, tiens, elle a Anne Sinclair. Tiens, on dirait un mec. On dirait un mec et qui se serait déguisé en Anne Sinclair. Plus rien de chaud. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. D'accord. Ça, c'est le look. Quand on veut pas se faire remarquer, au lieu de venir cacher, on vient démasquer et on regarde à droite et à gauche. Comme ça, si quelqu'un nous a vu à gauche. Alors qu'on regardait à droite puis après à gauche, et eh ben on fait quoi? Ben non, c'est trop tard, on t'a vu. Putain, waouh, la sécurité. Ils viennent avec une lampe alors qu'on est en plein jour, derrière on voit la bagnole. Si le plan, il n'y a même pas de gardien, ça sert à rien alors qu'il y ait une clé. Pourquoi mettre des clés s'il n'y a même pas de gardien? Alors ils sont dans l'ombre, oula, c'est-à-dire qu'il a sauté. Mais putain, c'est des chauds lapins les Allemands. C'est fermé, évidemment. C'est tapé la secrétaire. Monsieur Pushka. Monsieur Pushka. Tiens, il est mort. Ah merde, j'ai vu. Monsieur Pushka. Mais il est pas là, sinon il aurait répondu. C'est Monsieur Burger. Oui, bon, on a compris qui c'était.
Là, il faudrait que ce soit comme dans les dessins animés de Tex Avery où on change, quelqu'un change le, la direction de la flèche, comme ça ils se retrouveraient comme des cons. Vu qu'il y a déjà du monde, ils pourraient faire tout allumer, hein, je vois pas à quoi ça sert. Ils ont ouvert la porte d'un coup et puis là pour la fermer, ils sont précautionneux. Ils sont un peu cons. Hein. L'ouverture, ils le font à l'arrache et la fermeture, ils sont précieux. Excusez-moi, j'étais au chiot, j'arrivais pas à pousser. Comme toutes les fins de mois, on est obligé de faire des heures supplémentaires. Et ouais, oui, je comprends, vous devez être crevé. Voilà. Un instant, je vous ouvre. Écoutez, si vous voulez, je peux vous déposer chez vous. C'est très gentil à vous, monsieur Burger, je vous remercie. On a fait des heures sup. Tu parles. Allez, là, ça sera discret. Le matos pour que ce soit discret. Il suffit juste un pied de biche à la con pour ouvrir un coffre. Bonsoir. Monsieur Burger. Là, vous avez un peu de rouge à lèvres. Ah, humour. Ah oui, merci. Ne faites pas trop d'heures supplémentaires. Ça laisse souvent beaucoup de traces. Allez, c'est rigolo. Merci, bravo. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore, bravo. Oh zut, j'ai perdu mon pied d'oreille. Allez, elle va remonter, c'est là qu'elle va trouver les deux mecs. Oh putain, c'est pénible ces bonnes femmes. Non, je l'avais tout à l'heure. Il faut toujours que les femmes égarent quelque chose. Voilà, vous n'avez pas perdu votre tête aussi. Monsieur Pushka. Monsieur Pushka, s'il vous plaît. Oh là là, on peut pas être tranquille là. Mais je croyais qu'il avait fermé à clé. Oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre la lumière dans mon bureau. Je peux le faire. Non, bien sûr que non. Voilà, j'en profiterai pour me faire tirer dessus par les deux cambrioleurs. Ça devrait être bon. Je vais aussi avoir besoin de l'autre. Passe-le-moi. Vous pouvez pas faire ça une heure plus tard. Il a fallu qu'il le fasse pile au moment où c'était la sortie du bureau. C'est gonflant. Hein. Oui, par contre, il a bien la tête du taré. Coucou. Hop, oh, j'entends du bruit, c'est bizarre. Alors, il va laisser le champagne et tout, même le préservatif sur la table avec plein de sperme. Par contre, il fallait pas qu'on retrouve la boucle d'oreille, sinon on va faire le rapprochement. D'accord, c'est là qu'on pense. C'est l'endroit auquel on pense direct, on peut pas regarder par terre. Ah ben décidément, il n'y a pas que nous qui faisons des choses dans le lit. Toc toc toc. Allô, vous êtes des cambrioleurs, est-ce que vous faites un mauvais coup? Oui, on fait un mauvais coup, laissez-nous tranquille, d'accord ben... Vous êtes nouvelle? Oui, ça fait 2 semaines. Ah, si vous faites des heures supplémentaires dès le début, votre patron n'est pas prêt de vous lâcher. Monsieur Pushka. Ah. Il se passe de drôles de choses dans les... Ça c'était à... C'est au sens figuré qu'il lui a dit ou au sens propre? Il va appeler les flics, on fait pas... Tout le monde le sait que le... dès qu'on entend un bruit suspect, on fait pas flic soi-même, on appelle les flics. Là, c'est le... ils sont vraiment des abrutis. Non, il va y aller tout seul. Oh les mains, ne faites pas ça. Allez, il faudrait qu'il se fasse tirer dessus. Oh les mains. Ça doit faire dans les 15 000 marques. Il va dire oh les mains, les autres vont regarder, vont lui tirer dessus. On fait pas ça, on regarde le butin après. Hein. Quand on est un pro, on prend tout et c'est après qu'on est content. Oh les mains, oh, les mains. Voilà. Allez, nickel. Oh les mains, peau de lapin. Il doit avoir bientôt fini. Ils mettent de tout dans ce coffre, de l'argent, des bijoux. Et ils vont nous faire croire que les jeunes, ils vont rentrer, ils vont leur amener la moitié du butin. Rien ne les oblige, hein, puisque là, ces vieux cons sont là, ils peuvent se casser en Tanzanie pour voir à la santé de Florent Pagny. Ils vont pas rentrer, ils leur doivent plus rien. Hein. J'ai sûr que le gardien, en fait, c'est un de leurs amis. De toute façon, tous ces Richards sont des requins. À nos millions. À notre santé. Quelle hypocrisie. Nous ne valons guère mieux qu'eux.
Ben alors, pourquoi tu dis en souriant? Je pense qu'on n'a pas été aussi requin que sinon on serait pas enfermé dans cette prison de retraite. J'en ai jamais été un requin, mais sur les planches j'en ai interprété. Mais pour une maison de retraite, je vois pas trop de personnel, parce que le personnel, à mon avis, leur dirait non, mais retournez chacun dans votre chambre et fermez-la. Il faut bien reconnaître qu'on a passé tout notre temps. Oui, putain, ils peuvent avoir le pinard, le champagne et tout. Bientôt, ils pourront faire venir les putes dans leur chambre. Putain, les maisons de retraite en Allemagne, c'est olé olé. Ce que tu as toujours rêvé d'avoir, des robes éclatantes. C'est puisque c'était les maisons de retraite. Quand tu étais encore une danseuse. Oh, pardon, je voulais dire quand tu étais encore une danseuse et tout. Oui, et une grande. Si je comprends bien ce qui nous attend maintenant, c'est l'âge d'or. Comment pouvez-vous être aussi naïf? C'est une vraie folie. Alors pourquoi t'as fait le coup si tu dis que t'es pas naïve? Bien. Putain, mais ces vieilles connes, quand elles ne savent pas où elles ont mal, c'est pénible. Ça, personne ne peut te le contester.